Alors Samuel, qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui? Rémi de la ratatouille. Bonjour les artistes, bienvenue sur dessinpourenfants.com. Alors Samuel, qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui? Rémi de la ratatouille. Waouh, il est magnifique ce dessin animé. Hein, ce petit rat qui cuisine, qui prépare des bons plats. Ouais. On l'aime vraiment beaucoup, on l'a vu plusieurs fois. Et on vous encourage à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Et donc, on va dessiner donc ce rat avec sa toque et puis qui tient une cuillère en bois. Qu'est-ce qu'il nous faut, Samuel, pour dessiner Rémi de la ratatouille? Une feuille, un stylo, du sourire, un sous-main, des crayons de couleur ou des stylos. T'es prêt? Ouais. C'est parti! Tout à vos stylos! Alors, on aura notre rat Rémi ici, au milieu de la feuille. Et on va commencer par lui dessiner un très gros nez. Donc, c'est parti mon kiki. Hop! Espèce de rond, comme ça. Voilà. Et puis là, on va dessiner son nez. Donc, hop! Un arrondi légèrement. Voilà. Et puis ici, juste à côté, on va lui dessiner son œil. Donc, un arrondi. Voilà. Et puis là, on va dessiner une sorte de trait comme ça. Voilà, qui dépasse un tout petit peu. Voilà. Et on va faire son autre œil. Donc ici, on va venir faire, hop, un autre arrondi comme ça. Voilà, et puis son autre œil qui vient ici à côté. Voilà. Ici, il aura des sourcils, donc juste au-dessus. Hop, comme ça. Voilà. Ensuite, ici, on va lui faire le bas de son nez. Voilà, comme ça. Ici, il y aura un grand sourire, comme ça. Hop, donc on va faire un arrondi comme ça. Voilà. Et puis à l'intérieur, on va laisser un espace pour laisser un peu la lèvre. Voilà. Et puis le haut, ce sera ses dents. Comme ça, on fait encore un autre trait. Voilà. Le reste, on peut colorier ici en noir, comme ça. On va aller faire ses yeux qui nous regardent. Donc, on fait un rond. Voilà. Puis qu'on peut colorier en noir. Voilà, aussi dans l'autre. Voilà, on essaye de faire qui nous regarde. Ok, super Sam. Ensuite, on va lui faire, juste à côté, il y a son oreille. Donc on va commencer ici à faire la base de l'oreille. Et puis ensuite, un grand arrondi. Comme ça. Voilà. On va faire l'intérieur de l'oreille. Comme ça. Voilà. Et là, il y a en fait un petit peu sa joue ici qui vient là. Voilà. Super. Ensuite, on va lui faire sa toque. Donc d'abord, il y a le bas de la toque. Donc on fait juste un trait. Là, tu peux fermer ici. Voilà. Donc tu peux te faire un trait. Et puis un arrondi comme ça. Et ensuite, on va lui faire sa toque. Donc, hein, voilà, un long trait comme ça. Voilà, là, on fait un autre arrondi comme ça. Et on revient. Hop. Et puis, on va faire des traits hein, pour les plis dans la toque. Hop. Voilà, en rayon. Voilà, super. Maintenant, on va s'attaquer au bas de la bouche.
Donc on va venir ici faire un trait. Voilà. Ensuite ici, il a son bras. Donc on va faire une sorte de V. Comme ça. Voilà. Avec des petits zigzags. Parce qu'il y aura... Il y aura sa main là. Voilà. Et on revient en arrière pour faire le V. Voilà, là il y a son épaule, c'est un petit peu plus grand. Et puis ici, sa main, elle tient en fait. Elle tient une grande cuillère. Donc on fait ici son pouce comme ça. Et puis la main qui vient comme ça. Enfin, ses pattes quoi. Ouais, là tu peux fermer ici. Voilà, super. Et puis ici, on imagine que le trait il passe derrière le bras. Et puis ce sera ici, hop, le bas. Hein. Donc on peut venir fermer le bas. Donc on va dessiner son dos qui va venir depuis, oui, depuis là, voilà. Là, ce sera hop, l'arrière. Voilà, ici on peut lui faire sa patte donc qui est pliée, hop, comme ça. Voilà, alors là il y a son ventre qui peut venir comme ça. Du coup ça c'est son autre patte. Voilà, tu peux fermer et là aussi on va fermer, hop. Et puis ici on peut lui faire sa patte, donc hop. Hop et hop, tu vois, comme ça. Et la même chose, enfin presque la même chose, mais juste hop et hop. Voilà, comme ça. Parce qu'il a les pattes qui sont pliées, il est debout. Hein. Et puis on va lui faire une petite queue ici. Hop, voilà, un petit peu pliée sur elle-même, voilà. Et puis ici, ben, elle est toute pointue. Donc on revient en arrière et... Elle est de plus en plus épaisse. Et voilà, on refait la même chose. Mais là, elle a vraiment le bout pointu. Et puis, voilà. Super. Et puis maintenant, on a une cuillère en bois hein, qui tient. Donc, elle va passer à travers la main. Puis, elle va venir, par exemple, ici. On peut faire sa base. Hop, un trait. Et on fait un trait qui part comme ça. Tac. Passe derrière le bras, derrière le nez, voilà, jusque vers la toque. Et puis ici, eh ben on peut faire la même chose, voilà, que ce soit perpendiculaire, hop, hop, et puis hop, voilà. Et là en haut, on peut faire la cuillère, donc ça va être bien, bien ovale, voilà. Ici, on peut faire un autre ovale à l'intérieur, mais attention, un ovale sur le côté droit. Regarde, je m'explique. Voilà, comme ça. Voilà, hop. Et puis ici, il y aura une légère épaisseur, tu vois, hop. On peut faire encore un trait. Voilà, ça passe derrière. Voilà, ça revient en haut. Et hop. Voilà, comme ça. Ah, c'est pas facile, hein? C'est pas évident. Mmh. Et puis là, eh ben, y a son autre main qui tient. Alors, on peut faire, hop, des petits ovales, comme ça. Ou alors, normalement, c'était par-dessus, mais là, on va lui faire là, sur le dessus. Voilà. Et puis là, ben, il tient, hop, avec, donc aussi un petit peu en V. Et puis, voilà. Ben, super Samuel, c'était pas évident, mais tu t'es bien débrouillé hein, pour un rat Rémi de la Ratatouille. Et maintenant qu'on a fini de le dessiner, il ne reste plus qu'à le... colorier. C'est parti. Tout ça va au stylo. Notre Rémi.
Samuel. Waouh, alors voilà, on l'a dessiné en gris, on a mis des reflets bleus. Voilà, puis surtout, on a mis une moustache, hein. Ouais. On l'avait pas fait au début, on l'avait oublié, mais voilà. Surtout ne pas oublier la moustache. C'est magnifique. Top là, Samuel. Bien joué. T'as super bien dessiné, Rémi. Est-ce que t'as eu du plaisir? Ouais. Ouais. On a passé un moment ensemble. C'était sympa. Donc, les enfants, amenez vos parents pour qu'on puisse dessiner ensemble. Là, il y a plein de vidéos sur cette chaîne. Allez aussi dans la description ci-dessous. Il y a un cahier de dessin gratuit pour vous. Et puis, Samuel, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis? À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, les amis.